Honorable assistance, salam alaikum. Au nom de la Direction générale des douanes, donc je remercie la SNAPO pour cette invitation qui permet aux douaniers donc d'appréhender encore mieux ce thème. Concernant mon intervention, donc elle sera très succincte. Elle va porter sur 1. L'aspect contrôle et 2. L'aspect répressif. Concernant l'aspect contrôle, donc il y a un premier volet, c'est le volet dédouanement de ces substances. Au niveau du dédouanement, donc au niveau des époques, donc, des inspections principales aux opérations commerciales, donc on demande aux importateurs de ces produits donc, de produire certains documents spécifiquement. Donc, 1. Le visa technique ou le programme annuel d'importation de ces médicaments. 2. L'agrément d'importation pour chaque importation. Et troisièmement, la décision d'enregistrement de chaque médicament dite AMM. Deuxième volet du contrôle, c'est au niveau des barrages routiers, des embuscades et du contrôle des visites voyageurs, donc au niveau des aéroports, des ports et des frontières terrestres. Dans ce cadre, nous avons enregistré beaucoup de saisies. Donc j'ai quelques statistiques pour les années 2018 et 2017. Le nombre d'affaires entre drogue et psychotropes, c'est 211 rien que pour l'année 2018 et 172 pour l'année 2017. Pour les statistiques des saisies, nous avons donc un total de 1985 kilos de kif traité pour l'année 2018, 1,305 g de cocaïne, 64 g de graines de cannabis, 123 250 comprimés de psychotropes, ainsi que d'autres, des gélules. Nous avons 13 044 gélules, 1829 unités pour l'année 2018. Pour l'année 2017, nous avons 172 affaires, dont 9450 kilos de kif traité, 1,525 kg de cocaïne, et pour les valeurs, c'est les valeurs de ces marchandises, donc pour 2017, c'est 668 millions de dinars, et pour 2019, c'est 306 341 000 dinars algériens. Pour les pénalités, c'est 1 773 682 dinars pour 2018 et 6 670 millions de dinars de pénalités. Le nombre de contrevenants, nous avons pour l'année 2017 241 et pour l'année 2018 224. Ça concernant le volet statistique des saisies. Pour l'aspect répressif, il faut dire que l'administration des douanes donc, intervient en matière judiciaire, conformément aux articles 5, 240 bis du Code des douanes, 259 et 303 du Code des douanes, ainsi que aux articles 29, 30, 10 à 16 de l'ordonnance 0506 modifiée et complétée. Concernant les sanctions qui sont consacrées, en vertu du Code des douanes, c'est l'article 325 bis quand il s'agit d'importation, quand il s'agit de saisie au niveau des ports, aéroports, aux postes frontaliers. L'amende encourue, c'est deux fois la valeur des saisies, plus la saisie. Et si il y a utilisation d'un moyen de transport qui sert à masquer la fraude, il est également saisi. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, de la contrebande, si ces marchandises, drogues ou psychotropes sont saisies au niveau des barrages routiers, donc l'amende
c'est 10 fois la valeur cumulée des drogues ou psychotropes et du moyen de transport, 5 fois s'il n'y a pas utilisation de moyens de transport. Donc, l'administration des douanes se constitue partie civile dans le cadre de l'action fiscale. Concernant la seule difficulté peut-être qui, en ce qui concerne l'administration des douanes, c'est lorsqu'il s'agit de saisies de petites quantités, quand il s'agit de consommation, parfois la justice n'accepte pas la constitution de partie civile de l'administration des douanes. Voilà tout ce que j'ai à dire et je vous remercie.